Bonjour à chacun et à chacune de vous. Au cœur du quotidien, Jésus nous invite à dépasser la lettre de la loi pour vivre de son esprit. Jésus n'est pas venu pour abolir la loi, mais l'accomplit pour nous permettre d'y trouver bonheur et liberté, amour et vérité. À nous de choisir de rester fidèles à sa parole, à ses enseignements. En ce lendemain de la Journée mondiale des malades, ayons un regard de compassion et d'amour envers les malades et toutes les personnes qui nous entourent. Je vous invite à vous lever pour accueillir le célébrant. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Que la paix du Christ, Maître et Seigneur, soit toujours avec vous. Le Christ nous invite à dépasser la lettre et la loi pour vivre de son esprit. Or, nous nous contentons trop souvent de son respect minimal et pas assez de l'amour qui la soutient. Accueillons la miséricorde de Dieu. Seigneur Jésus, Maître et Sauveur, tu es venu accomplir la loi et non l'abolir. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Ô Christ, sagesse et don de Dieu, tu as donné l'exemple en aimant sans condition et en pardonnant les péchés. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Seigneur, libre et souverain, tu as apporté au monde la lumière de la vérité. Béni sois-tu et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous incite à mettre en pratique son enseignement et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Dieu a changé tout l'univers.
qui veux habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux hommes. L'une ou l'autre leur est donnée selon leur choix. Car la sagesse du Seigneur est grande, fort est son pouvoir et il voit tout. Ses regards sont tournés vers ceux qui le craignent. Il connaît toutes les actions des hommes. Il n'a commandé à personne d'être impie. Il n'a donné à personne la permission de pécher. Parole du Seigneur. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, c'est bien de sagesse que nous parlons devant ceux qui sont adultes dans la foi. Mais ce n'est pas la sagesse de ce monde. Ce n'est pas la sagesse de ceux qui dirigent ce monde et qui vont à leur destruction. Au contraire, ce dont nous parlons, c'est de la sagesse du mystère de Dieu, sagesse tenue cachée, établie par lui dès avant les siècles pour nous donner la gloire
Aucun de ceux qui dirigent ce monde ne l'a connu, car s'il l'avait connu, il n'aurait jamais crucifié le Seigneur de gloire. Mais ce que nous proclamons, c'est comme dit l'Écriture, ce que l'œil n'a pas vu. C'est ce que l'oreille n'a pas entendu. C'est ce qui n'est pas venu à l'esprit de l'homme. C'est ce que Dieu a préparé pour ceux dont il est aimé. Et c'est à nous que Dieu, par l'Esprit, en a fait la révélation. Car l'Esprit scrute le fond de toutes choses, et même les profondeurs de Dieu. Parole du Seigneur. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, lumière des nations, alléluia, 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 Jésus, nous t'acclamons, alléluia, alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis. Avant que le ciel et la terre disparaissent, pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. » Donc, celui qui rejettera un seul de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire ainsi sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis en effet, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. » Et si quelqu'un commet un meurtre, il devra passer en jugement. Eh bien, moi, je vous dis, tout homme qui se met en colère contre son frère devra passer en jugement. Si quelqu'un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. Si quelqu'un le traite de fou, il sera passible de la gêne de feu. Donc, lorsque tu vas présenter ton offrande à l'autel, si là, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse ton offrande là, devant l'autel. Va d'abord te réconcilier avec ton frère et ensuite, viens présenter ton offrande. Mets-toi vite d'accord avec ton adversaire pendant que vous êtes encore en chemin. Pour éviter que ton adversaire ne te livre au juge, le juge au garde, et qu'on ne te jette en prison. Amen, je te le dis, tu n'en sortiras pas avant d'avoir payé jusqu'au dernier sou. Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien moi, je vous dis, tout homme qui regarde une femme avec convoitise a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit entraîne ta chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier jeté dans la géhenne. Et si ta main droite entraîne ta chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car mieux vaut pour toi perdre un de tes membres que d'avoir ton corps tout entier qui s'en aille dans la géhenne. Il a été dit également, si quelqu'un renvoie sa femme, qu'il lui donne un acte de répudiation.
Eh bien, moi je vous dis, tout homme qui renvoie sa femme, sauf en cas d'union illégitime, la pousse à l'adultère. Et si quelqu'un épouse une femme renvoyée, il est adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne manqueras pas à tes serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. » Eh bien, moi, je vous dis de ne pas jurer du tout, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la ville du grand roi. Et ne jure pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blanc ou noir. Que votre parole soit oui, et c'est oui, non, si c'est non. Ce qui est en plus vient du mauvais. Acclamons la parole de Dieu. Il y a environ 2 mois, l'abbé Richard Wallot avait perdu un de ses frères. Il vient d'en perdre encore un autre. C'est lui qui devait être ici avec vous ce matin, mais les obsèques de son frère se déroulent en cet instant même à Montréal, donc il n'a pas pu être là. J'invite toute la communauté à prier pour la béatitude éternelle de son frère, qui s'appelle Jacques Albert, et a prié également pour sa famille, surtout pour l'abbé Richard. Ça fait quand même beaucoup, 2 frères en moins de 2 mois, c'est assez pesant. Prions pour eux. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, c'est par ces mots que nous avons commencé tout à l'heure l'oraison d'ouverture, c'est-à-dire la prière faite après le « Gloire à Dieu ». Dieu veut habiter les cœurs droits et sincères. Ces paroles sont déterminantes pour nous aujourd'hui et pourront constituer le fil conducteur pour comprendre les textes liturgiques de ce 6e dimanche du temps ordinaire. Ce projet de Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, Jésus en a parlé dans l'Évangile, lorsqu'il a dit « Si quelqu'un m'aime, mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons en lui notre demeure. » Saint Paul a également parlé de ce même projet, mais d'une autre manière, lorsqu'il dit « Vous êtes le temple de Dieu ». Le projet de Dieu est vraiment tentant pour nous. Tout le monde veut être ce cœur droit et sincère dans lequel Dieu viendra prendre demeure. Mais comment devenir ce cœur droit et sincère? Comment être un cœur droit et sincère que Dieu peut habiter? Je pense que c'est à cette réponse, c'est à cette question que répondent la première lecture et l'Évangile. La première lecture nous parle du cœur sincère. Et l'Évangile nous parle du cœur droit. Le cœur sincère, c'est ce cœur qui s'est choisi librement et qui reste fidèle à son choix. Même si dans la deuxième lecture, Saint Paul nous motive, nous influence et nous oriente dans notre choix, puisqu'il nous demande de choisir Dieu. Alors même si Saint Paul le fait dans la deuxième lecture, dans la première lecture, Ben Sirac le sage a été plus que clair. Toute personne humaine a le droit de choisir librement de faire ou non alliance avec Dieu. Si vous permettez, je reprends les premiers mots de cette première lecture. Ben Sirac le sage dit, « Si tu le veux, tu peux observer les commandements. Il dépend de ton choix de rester fidèle. » Le Seigneur a mis devant toi l'eau et le feu. Étends la main vers ce que tu préfères. La vie et la mort sont proposées aux humains. L'une ou l'autre
leur est donné selon leur choix. Les mots sont assez clairs. Je pense même que le droit à la liberté de conscience et de religion est fondé sur ces paroles bibliques. Et ce droit donne à tout individu le droit de faire le choix des valeurs et des principes qui vont conduire son existence personnelle et qui vont déterminer sa destinée. Nous sommes libres. Cela emporte deux conséquences. Premièrement, je suis libre de choisir ma religion. Personne n'a le droit de m'imposer une religion. Deuxième conséquence, l'autre a le droit de choisir sa religion et je n'ai pas le droit de lui en vouloir s'il n'est pas dans la même religion que moi. Le principe est assez clair. Mais ce qui se cache pour nous aujourd'hui, derrière cette lecture, ce n'est pas de choisir d'être chrétien ou non. Ça, c'est un acquis. Nous y sommes déjà. Nous sommes vraiment déjà chrétiens. Cette lecture voudrait nous mettre devant notre responsabilité en tant que chrétiens. Une fois que nous avons choisi d'être chrétiens, nous sommes tenus à la fidélité. Le chrétien n'a pas le droit de s'asseoir sur deux chaises. Il n'a pas le droit de manger dans deux assiettes différentes et contradictoires. Malheureusement, l'environnement dans lequel nous sommes n'est pas favorable à cela. Il n'est pas facile pour le chrétien de choisir d'aller à droite alors que tout le monde va à gauche. Il n'est pas facile de dire non quand tout le monde dit oui et que notre travail, notre boulot, nos relations, notre honneur dépend de ce non. Ce n'est vraiment pas facile. Ça prend une bonne dose de vigilance et de courage pour être chrétien et pour vivre au quotidien sa foi chrétienne. Et c'est à ça que nous invite la première lecture. La sincérité consiste à avoir de la vigilance et du courage pour vivre au quotidien notre foi de chrétien. Le cœur droit, c'est de ça que parle l'Évangile. Jésus a commencé par faire une mise au point par rapport au commandement de l'ancienne alliance. Beaucoup pensent aujourd'hui, et même des chrétiens convaincus, je ne les condamne pas du tout, ils le font de bonne foi. Alors beaucoup pensent que les 10 commandements sont périmés, ils ont atteint leur date de péremption. Les 10 commandements méritent d'être revus, d'être modernisés, actualisés pour se conformer à nos conditions actuelles de vie. Cette réflexion, cette manière de voir les choses est due à deux états de fait. Première chose, nous avons toujours présenté les 10 commandements comme des interdits. Or, la personne humaine a horreur de tout ce qui est interdit. Tout a commencé avec la révolution de 1968. Où le mot d'ordre était clair. Il est interdit d'interdit. Les Espagnols le disaient en ce moment-là, prohibido, prohibi, il me semble. Et les Anglais, it is forbidden to forbid. Il est interdit d'interdit. Et bien, puisque pour nous, les 10 commandements sont des interdits, avec la révolution de 68, ils ont perdu de leur pertinence et de leur poids. La deuxième chose, l'être humain aime tout ce qui est facile. Et il n'est pas facile de suivre les commandements de Dieu. Du coup, nous avons écarté de notre chemin tout ce qui est commandement de Dieu. Mais aujourd'hui, Jésus nous rappelle deux choses. Premièrement, que rien ne sera retranché de la loi. Rien. Même si nous avons tendance à choisir dans la loi ce qui est facile pour nous et d'abandonner ce qui est difficile. Il dit, rien ne sera laissé de côté. La deuxième chose, il nous invite à aller plus loin. Non seulement tu ne commettras pas de meurtre, mais tu n'as pas le droit d'insulter ton frère. Tu n'as pas le droit de le traiter niaiseur. Vous voyez, Jésus est même plus exigeant que les 10 commandements. Tu ne commettras pas d'adultère. Non seulement cela, mais tu n'as pas le droit de regarder avec un certain intérêt la conjointe ou le conjoint d'une autre personne. Moi, je me rappelle très bien quand j'étais encore au séminaire, j'ai surpris, j'étais avec certains séminaristes, nous avons surpris notre recteur. Un matin, il venait à la messe et il parlait seul. Il se faisait un procès
ou du moins, il faisait un procès à Dieu. S'il savait qu'on était là, il n'allait jamais parler. Il disait, mais non, Seigneur, non. Pourquoi je vais juste penser et tu me comptes ça comme un péché? Ce n'est pas juste. J'ai juste pensé. Il faisait la guerre en lui-même. Et c'est effectivement, c'est vrai. Juste regarder quelqu'un et puis on dit que tu vas passer au tribunal. Ce n'est pas facile d'être chrétien. Ça, il faut l'avouer. Ce n'est pas facile. Mais Jésus ne s'est pas contenté de nous donner juste des commandements. Non. Il y a des mesures d'accompagnement. J'ai lu qu'il y avait un prêtre qui commentait ce texte de l'Évangile. Tu ne commettras pas de meurtre, etc., etc. Et il a demandé à la communauté, mais dites-moi, avec toutes ces exigences-là, qui pouvait s'en sortir? Qui peut s'en sortir? C'est une communauté comme la nôtre, mais il y avait de petits enfants que les parents ont amenés. Alors, tout le monde était silencieux et un tout petit garçon a levé le doigt. Il n'a même pas attendu qu'on le désigne et il dit, il n'y a plus que Jésus pour nous aider comme cela. Le petit a répondu cela. On dit souvent que la vérité sort de la bouche des enfants. Ce n'est pas faux. Ces exigences, elles sont vraiment très prenantes. Et Jésus, il le sait. C'est pourquoi il a mis des mesures d'accompagnement. La première mesure que Jésus a mise, c'est son esprit qui va nous accompagner dans ces exigences. Il sait que seuls nous ne pouvons pas le faire. L'Esprit de Dieu est là et nous devons apprendre à l'invoquer très souvent lorsque nous sommes en difficulté pour choisir. Deuxième mesure d'accompagnement, c'est le pardon. Remarquons bien dans l'Évangile, c'est à croire que Jésus se moque de nos faiblesses et de nos manquements. C'est comme si l'amour qu'il a pour nous se moque de nos péchés. Jésus a pardonné à Zachée. Il a pardonné à la femme adultère. Il a pardonné à Pierre qui l'a renié. Il a pardonné à tous ceux-là qui l'ont mis en croix. Et l'enfant prodigue a retrouvé son chemin. L'amour de Dieu est plus fort que nos péchés. Tout ce que Dieu nous demande, comme l'a dit un saint, et c'est par là que je vais terminer, le saint dit ceci. Dieu ne nous demande pas de réussir. Il nous demande de faire effort. Il nous demande de faire effort. D'essayer d'être convaincant dans notre manière d'aimer. Et nous serons à Dieu. Nos cœurs seront disposés comme des cœurs droits et sincères pour accueillir Dieu. Pour finir, je voudrais vous inviter, pour ceux qui ont le prion, à le prendre à la page 7. Ceux qui ont le prion à la page 7. Et ensemble, nous allons reprendre la prière, l'oraison d'ouverture. Nous allons reprendre cela ensemble pour demander à Dieu de nous donner sa grâce, de faire de nos cœurs des cœurs droits et sincères qu'il pourra habiter. Prions. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant. Tu viendras juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Présentons au Seigneur notre désir d'accomplir sa loi d'amour et demandons-lui de nous guider dans nos efforts pour bâtir un monde selon sa sagesse.
Dieu de sagesse, écoute-nous. Pour les juges, les avocats, les policiers et les personnes chargées d'appliquer la loi avec justice et équité, prions le Seigneur. Dieu de sagesse. Pour les parents qui ont besoin de persévérance dans l'amour et de constance dans l'éducation de leurs enfants, prions. Dieu de sagesse. Pour les gouvernants et les gouvernantes de nos sociétés, responsables d'instaurer des lois civiles pour le bien commun, prions. Pour l'Église, appelée à faire connaître le commandement de l'amour aux hommes et aux femmes de notre temps, prions. Pour notre communauté, témoignant de la vérité de Dieu et de son amour par ses gestes, ses paroles et ses engagements, prions. Seigneur, toi qui révèles au monde la loi nouvelle de ton amour, donne-nous ton esprit afin que nous puissions comprendre et vivre selon ta volonté. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Que cette Eucharistie, Seigneur notre Dieu, nous purifie et nous renouvelle. Qu'elle donne à ceux et celles qui font ta volonté le bonheur que tu leur as promis par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te chanter louange et gloire. À toi, Seigneur, Père d'infinie bonté. Oui, il nous est bon de te rendre grâce et de te bénir, car à la parole de ton Fils annonçant l'évangile du salut, tu as rassemblé ton Église de tout pays, de toute langue et de toute culture. Et tu ne cesses de la vivifier par ton esprit pour faire grandir jour après jour l'unité du genre humain. En témoignant de ton amour, elle ouvre à chacun les portes de l'espérance. Elle devient pour le monde un signe de ta fidélité que tu as promise à tous les âges dans le Christ. C'est pourquoi nous te glorifions sur la terre comme tu es glorifié dans les cieux et nous acclamons d'une seule voix avec toute l'Église ta grandeur. Ceux qui ont l'habitude de suivre avec le prion, j'ai pris la prière eucharistique pour des circonstances particulières. Une, page 20. Vraiment, tu es saint et digne de louange. Dieu qui aime tes enfants, toi qui es toujours avec eux sur les chemins de cette vie. Vraiment, ton Fils Jésus est béni, lui qui se tient au milieu de nous quand nous sommes réunis en son nom. Comme autrefois pour ses disciples, il nous ouvre les Écritures et nous partage le pain. Maintenant donc, Père de toute grâce, nous t'en prions. Envoie ton Esprit Saint afin qu'il sanctifie nos offrandes. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang du Christ notre Seigneur. La veille de sa passion, la nuit de la dernière scène, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » Par ton corps, tu nous donnes la vie, nous te disons, merci Seigneur. De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau le rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Par ta vie donnée pour tes frères, tu nous as montré le chemin. Rempli d'amour et de lumière, ce que tu nourris de ton corps. Par ton sang, tu nous donnes la vie. Nous te disons merci,
Voilà pourquoi, Père très saint, faisant ici mémoire de ton Fils, le Christ, notre Sauveur, que tu as conduit par la passion et la mort sur la croix à la gloire de la résurrection pour qu'il siège à ta droite, nous annonçons son œuvre de grâce jusqu'au jour où il viendra et nous t'offrons le pain de la vie et la coupe de bénédiction. Regarde avec bonté, Seigneur, l'offrande de ton Église qui te présente par nos mains ce qu'elle a reçu de toi, le sacrifice de louange, la Pâque du Christ. Que la force de ton esprit fasse de nous, dès maintenant et pour toujours, les membres de ton Fils ressuscité par notre communion à son corps et à son sang. Renouvelle, Seigneur, par la lumière de l'Évangile, ton Église, ici présente à Vaudreuil-Dorion. Resserre les liens de charité qui unissent les fidèles et les pasteurs. Guide-les en communion avec le pape François et notre évêque Noël et l'ensemble des évêques, pour que le peuple qui t'appartient brille comme un signe prophétique de l'unité et de la paix au milieu d'une humanité qui se divise et se déchire. Souviens-toi de nos frères et de nos sœurs qui sont morts dans la paix du Christ. Souviens-toi en particulier de Pierrette Poirier, des parents défunts de Colette Cloutier, de Albert Lacombe, dont c'est le 16e anniversaire de décès. Souviens-toi de Suzanne Campo, de Frère Avila Sauvé, de Gisèle Brunette, des défunts de chacune de nos familles et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Donne-leur de contempler la clarté de ton visage et conduis-les par la résurrection à la plénitude de la vie. Et lorsque prendra fin notre pèlerinage sur la terre, accueille-nous dans la demeure où nous vivrons près de toi pour toujours, en union avec la Vierge Marie, la Bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, Saint Michel, les saints dont nous portons les noms et tous les saints du ciel. Nous pourrons alors te louer sans fin et magnifier ton nom par Jésus le Christ, ton Fils bien-aimé. N'oublie pas tous nos frères et sœurs malades, ceux qui souffrent dans leur corps ou dans leur âme. N'oublie pas tous ceux-là qui nous ont demandé de prier pour eux. Montre-leur, Seigneur, ta miséricorde et ta bienveillance. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout, ma Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rends-nous forts devant les épreuves. En cette vie, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Dans la charité du Christ, donnons-nous un signe de paix.
Heureux sommes-nous d'être invités à la table du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Et la justice.
Amen. Nous recommandons à vos prières Madame Thérèse Lafrenière, 98 ans, veuve de M. Florent Arsenault. Les funérailles ont été célébrées samedi 11 février en l'église Sainte-Trinité. Nous recommandons également Madame Yolande Bourdage, 90 ans, veuve de M. Paul Turgeon. Les funérailles ont été célébrées samedi 11 février en l'église Sainte-Trinité. Au titre des nouvelles, la fin de la semaine prochaine, des personnes vous offriront des billets à la sortie de la messe pour le repas de la fin du mercredi décembre. Le coût du billet est à 7 $. Également, nous vous demandons de prier pour les jeunes de la paroisse qui feront leur premier pardon la fin de la semaine prochaine. Merci. Prions encore le Seigneur. Tu nous as donné, Seigneur, de goûter aux joies du ciel. Fais que nous ayons toujours soif des sources de la vraie vie par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Cet automne, sur les ondes de C'est sur la télé, je sors du studio pour venir interviewer en tête-à-tête des personnalités de la région, ici même, au Faubourg de l'île de Pincourt. Ne manquez pas tête-à-tête, chaque semaine après votre hebdo régional sur les ondes de C'est sur la télé et la web télé au cessur.tv. Chaque semaine, sur les ondes de C'est sur la télé, voyez ou revoyez le match du dimanche des Mustangs de Vaudreuil-Dorion. C'est un rendez-vous pour tous les fans des Mustangs et pour ceux qui ne le sont pas encore. La soirée des Mustangs est diffusée à la télévision et également disponible sur le site cessur.tv. Ne manquez pas votre hebdo régional de Vaudreuil-Soulanges à chaque semaine. On parle d'environnement, culture et sport et on aborde tous les sujets d'actualité de la région. On vous attend donc sur les ondes C'est sur la télé et sur la web télé cessur.tv.
Le quotidien, toujours en effervescence, toujours plus rapide, toujours plus exigeant et souvent quelque peu instable. Chaque semaine, prenez une pause bien méritée en compagnie de Brandy Jacobson-Prentice, Jonathan Faust, Lucie Vachon et June Dubé, qui vous invitent à rester en équilibre. Sur les ondes de C'est sur la télé. He told me not to look down. Still, like he leave their feet.